Nous allons créer avec le nouveau cabri un pavage du plan qui s'inspire de la construction du flocon de Von Koch. Alors voici la macro qui permet à partir d'un segment, je vous le rappelle, de créer la deuxième étape de la construction de ce flocon. Nous allons appliquer cette macro à ce triangle équilatéral après avoir rendu ce triangle, voilà, non rempli. Alors, nous allons appliquer cette macro ici, à ce côté, puis à ce côté, puis à ce côté-là. Et nous allons créer le polygone que nous voyons. Alors, pour cela, polygone, alors il faut être patient, parce que regardez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Voilà. Le polygone, vous le voyez, est créé. Maintenant, nous allons créer une macro qui, à partir du triangle équilatéral d'où nous sommes partis, nous donne directement ce polygone. Pour cela, nous allons prendre comme objets initiaux ce point et les trois sommets dans cet ordre-là. Voilà. Comme objet final, alors, nous allons d'abord cacher ce polygone pour l'instant. Alors, comme objet final, nous allons déclarer les trois côtés que voici et le polygone. Polygone que nous allons faire réapparaître avec la torche. Voilà. Et macro, la voici. Alors, est-ce que cette macro fonctionne, c'est-à-dire est-ce qu'à partir d'un triangle équilatéral, est-ce qu'à partir d'un triangle équilatéral que voici, transparent si possible, est-ce qu'on peut créer ce polygone? Alors voici, on l'applique à ce triangle équilatéral en cliquant sur ces quatre points, et on obtient ce polygone. Alors, à partir de ce polygone et de cette macro, on va pouvoir paver le plan de la manière que je vais vous indiquer. Alors, pour cela, je copie cette macro dans la page suivante. Voilà, je vais appliquer cette macro à un triangle équilatéral comme je l'ai fait précédemment, ici, transparent si possible, et j'applique ma macro à ce triangle équilatéral pour obtenir le polygone que voici. Et nous allons maintenant symétriser ce polygone par rapport à certains points. Alors on utilise symétrie centrale de ce polygone par rapport à ce point, de ce polygone par rapport à ce point, de ce polygone par rapport à ce point. De ce polygone. Alors symétrie centrale par rapport à ce point, de ce polygone, par rapport à ce point. Voilà. Par rapport à ce point, de ce
assez maladroit là, on recommence symétrie centrale par rapport à de ce polygone par rapport à ce point, de ce polygone par rapport à ce point et de ce polygone par rapport à ce point. Alors, on peut continuer de cette manière-là et obtenir une figure de ce type qui pave le plan. Et vous voyez qu'on pave le plan avec les embryons de flocons en rose et puis ce qui reste, qui sont des petits polygones. Alors si on définit par exemple ce petit polygone-là, je vais montrer sur la page précédente, si on définit le polygone que voilà, celui-ci, mettons, de patience. Voilà. Et si on colorie ceci, mettons en bleu, voilà. On pourrait colorier en bleu ces parties-là, à condition qu'elles soient définies comme des polygones. Pour cela, il suffit de réutiliser les symétries par rapport à un point. Là. On peut continuer comme ça et colorier ceci en bleu. Alors, voici ce que ça donnerait. Vous voyez la figure plus complète. Et si on utilise les couleurs, voici ce que l'on obtiendrait. On obtient un joli pavage. On peut noter des propriétés, des invariants. Vous voyez que ces polygones se suivent par série de deux, séparés par un flocon. Là, vous voyez, j'ai fait apparaître des mesures. Je me suis amusé à calculer, à faire afficher l'aire d'un flocon et l'aire de ce petit polygone bleu ou jaune et le rapport. Et il se trouve que là, il est égal à 2,5. Si on fait la même chose, mais au bout de la première étape, le rapport n'est pas égal à 2,5, mais il est égal à 2. C'est l'ouverture vers une nouvelle recherche. Suivant les étapes de construction du flocon, quel est le rapport des aires entre le flocon et le polygone complémentaire ? À voir !